Si vous avez des lauriers chez vous en pleine terre, vous avez peut-être ce spectacle qui est assez désolant. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler des lauriers roses. Vous habitez peut-être dans le nord de la France ou même en Belgique. Et donc, combien nous savons que l'hiver peut être très capricieux? Alors, bien sûr, pourquoi on les plante maintenant dans nos jardins? Tout simplement parce que les étés sont de plus en plus chauds. De temps en temps, on a un été encore assez pluvieux, mais c'est très rare. Et donc, ces plantes commencent à tenir chez nous dans ces conditions. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est acquis, car l'hiver reste un problème. La cause peut donc être complètement différente. On peut avoir, suite aux hivers très pluvieux, si votre sol n'est pas assez drainant, vous pouvez avoir des branches qui dépérissent parce qu'elles ont eu un excès d'eau et donc par asphyxie, ça peut tuer une partie de la plante, voire l'entièreté. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que votre plante soit placée dans le jardin à un endroit où elle est sujet au courant d'air. Et donc, une fois que l'hiver s'installe, les vents du nord soufflent et cela peut endommager votre plante car elle déteste les courants d'air. Donc, c'est des plantes qui peuvent être chez nous dehors, mais dans certaines conditions protégées pour éviter justement les gros coups de froid de l'hiver. Alors ici, ça peut être le vent, mais ça peut être aussi tout simplement le gel. Il se peut qu'il ait gelé assez bien et donc que la plante ait très mal réagi au niveau de sa ramure et de sa cime. Donc il va falloir intervenir. La première chose qu'il va falloir se dire quand vous voyez ce désastre, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas parce que votre plante est peut-être triste à voir qu'elle est forcément complètement morte. Donc, il va falloir lui laisser une petite chance. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va déjà commencer par observer les branches, comme par exemple celles-ci, qui sont très endommagées. On voit que les feuilles sont sèches et qu'elles ont une drôle de couleur. On voit qu'elles sont très difficiles à reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les couper de moitié. On va les réduire sur les branches principales, de telle manière à ce qu'on puisse apporter de la lumière. Mais attention, ce travail, vous allez le faire seulement quand ils n'annoncent plus de gel. Ça veut dire vers fin avril, début mai. Si vous le faites avant, gros problème, car votre plante va être complètement vulnérable. Et si on a une gelée nocturne qui vient s'inviter en fin de saison d'hiver, eh bien, à ce moment-là, vous risquez d'avoir encore un coup de gel en contrebas. Donc, vous laissez en place et une fois que la plante a complètement fini son cycle d'hiver et que les températures remontent, on peut le faire. Donc, je fais le même pour les autres branches. Alors, bien sûr, on fait toujours ça avec un sécateur désinfecté. Et après, on se retrouve avec des tiges qui sont bien droites, très jeunes. On peut remarquer que celles-ci sont bien vertes, bien vigoureuses. Celles-là ont séché à la tête. Mais on peut remarquer qu'en bas, les feuilles sont encore vivantes. Donc, on va venir couper une branche en dessous. Voilà. Et celle-ci, on va les réduire un tout petit peu. On va juste couper la tête. Ça va permettre de ramifier notre plante, qu'elle part sur plusieurs têtes. Et ça va aussi permettre à la plante de concentrer son énergie là où c'est sain. Et éviter qu'elle ne perde de l'énergie inutile dans des zones où on sait que ça va être perdu. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, s'ils annoncent encore des petites gelées nocturnes, car on n'est jamais à l'abri, on protège avec un voile d'hivernage. Et pour l'hiver suivant, si vous voyez qu'ils annoncent des gros coups de gel et que votre plante a déjà eu ce problème, eh bien, directement, on intervient, on place un voile d'hivernage. Donc voilà, j'espère que ce petit travail vous aidera. Alors, la morale de l'histoire, quelle est-elle? Ne faut jamais s'inquiéter. Si vous voyez que votre plante, après l'hiver, est complètement triste, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est morte. Alors maintenant, nous allons donc nous quitter. Mais avant ça, nous allons, comme toujours, passer à la question verte. Une question que Karine se pose, elle a des tulipes dans une vasque qu'elle aimerait bien remettre dans son parterre, dans le jardin. Et elle se demande quand est-ce qu'elle peut les déplacer. Eh bien,
Il suffit d'attendre que la floraison soit terminée. Une fois que les fleurs sont fanées, on vient couper la tige au niveau des feuilles pour permettre aux feuilles de capter la photosynthèse pour pouvoir refaire leur énergie dans le bulbe. Et on n'y touchera seulement qu'une fois que le feuillage aura complètement jauni et qu'on pourra le couper au ras du sol. À ce moment-là, on vient déplanter les bulbes et on vient les placer dans son jardin, à l'endroit où on souhaiterait les installer. Alors voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser pour qu'on puisse y répondre en vidéo. J'en profite pour vous rappeler au passage de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de partager pour que le jardinage ne soit plus une corvée, mais un retour aux sources.